Donc bonjour, je suis Damien, je suis responsable de production sur le site d'Aramis Auto. Et moi, je suis Cassandre, je suis assistante RH donc d'Aramis Auto à Donzère. Aujourd'hui, le site de Donzère d'Aramis Auto reconditionne des voitures d'occasion pour des particuliers. On conditionne aujourd'hui 400 véhicules par semaine avec une croissance de 25% qu'on souhaite faire cette année. Nous cherchons en fait une vingtaine de profils sur différents postes. Donc ça va du logisticien, donc chargé de parc, magasinier qui va être amené à commander les pièces dont on a besoin pour reconditionner les véhicules, mais aussi la production, donc des mécaniciens, des carrossiers plus ou moins expérimentés. On est également ouvert à des profils juniors qu'on souhaite former par la suite. Mais on cherche aussi des experts automobiles, donc des personnes qui ont de l'expérience en mécanique ou en carrosserie et qui souhaitent évoluer et apporter leur expérience chez Aramis Auto. Différents postes sont à pouvoir en 2-8 et en 3-8. Les équipes de production sont organisées en 3-8 avec une équipe fixe de nuit de mécaniciens et de carrossiers et deux équipes de journée, 6-14 h le matin et 14 h-22 h en alternance sur les semaines. Les équipes sont composées d'environ 15 à 20 personnes en production pour répondre aux besoins de faire ces 25% de croissance. Ces 20 postes recherchés sont en CDI. Nous, comme l'a mentionné Cassandre, nous recrutons tout type de profil. Nous sommes capables d'accompagner des profils plus débutants pour les monter en compétences. Les valeurs recherchées sont surtout sur le travail d'équipe, l'entraide et la résolution de problèmes en équipe. Donc, si vous êtes motivé d'intégrer une entreprise en pleine croissance et qui est proche en même temps de ses collaborateurs, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Donzère. Aujourd'hui, nous recherchons une vingtaine de personnes en CDI sur ces métiers. Nous prenons le travail d'équipe, une ambiance pro et sympa. Donc, si vous voulez nous rejoindre, venez à Charles.